Une autre légende va nous rejoindre sur ce plateau. C'est un mastodonte intemporel de notre musical. Du Bénin, en passant par la Côte d'Ivoire, en se faufilant un peu au Burkina Faso, jusqu'à atteindre les frontières d'outre-mer, Oui. ce monsieur-là a fait danser le monde entier. Famille, je vous le dis. Aujourd'hui, là, la nouvelle génération connaît Taïk. La génération d'avant a connu Singula. Mais nos papas d'avant ont connu Rico Rico Campos. Campos. Baba God a toi seul le dernier mot. Docteur Rodrigue Anagonou, Big Up. Chacun a un passé, nous voici au présent. Et le futur là est, ça est dans ta main, Papa Yahweh. Ça dépend de toi, oh. Ça dépend de toi et ça dépend de toi et tu l'as et ça est ta main. Ça dépend de toi, oh, ça dépend de toi et ça dépend de toi et tu l'as et ça est dans ta main. Ali ou le Jaguar, Big Up, très très fort. Je dis oh, qui connaît l'avenir? Personne, personne. Toi mon frère, ma soeur, je sais que tu es diplômé. Après diplômé, faut prier Yahweh. Franchement, le maître est avec nous. Le maître des mélodies. Il a le mani mélo en lui. C'est pas lui qui a choisi la musique, c'est la musique qu'il a choisi. Franchement, bienvenue sur le plateau. Merci. Et je suis tellement honorée. Ce sont les avantages de notre boulot. Hein. Oui, c'est ça, c'est on a aimé des gens jusqu'à et aujourd'hui, grâce à ce travail-là, on arrive à se frotter à vous. Bon arrivé au Bénin. Merci beaucoup. Merci, bon arrivé, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis vraiment fier. Notre petit doigt nous dit que vous n'êtes pas là seulement que pour savourer nos bons plats, pour apprécier la chaleur des hommes du pays intègre. De Ouagadougou, pas vous êtes aussi là pour ça. Africa Mousseau, je ne me trompe bien pas. Bien sûr, je suis là pour Africa Mousseau et même de partager il y a longtemps avec le public des hommes et le pays des hommes intègres. Voilà. Ouaga, j'aime beaucoup Ouaga, mais ça fait longtemps que je suis passé. C'est le moment de revivre les bonnes choses, voilà. Exactement. Et Africa Mousseau, ce sera lieu ce samedi 9. Ce vendredi 8. Yes. Et qu'est-ce que vous nous réservez? Ah, mais de surprise, hein, parce qu'il y a longtemps, c'était à Monfini au tombeau que vous connaissez ici. Exactement. Comme ça. Bon, j'ai réservé de bonnes choses pour mes chères femmes, voilà, parce que c'est Africa Mousseau. Donc, il y a des surprises pour ça. D'accord. Alors, à Monfini au tombeau, c'est le titre qui, en tout cas, a fait vibrer l'Afrique. Il y a plusieurs qui ont vu le titre, qui est son dernier, qui est l'avenir, mais qui se sont dit, c'est qui ce gars? Mais je vous laisse, en quelques minutes, revivre les meilleurs instants, je vais dire musical, de l'Afrique. Pour m'aimer, c'est moi.
C'est l'éducation physique et sportive, ça c'est les pères, hein. Ça c'est incroyable. Quoi, c'était du karaté ou quoi? Grand écart, enfin, le grand écart soit longueur. Mais est-ce que au bord de la tombe là, quelqu'un s'en va? Est-ce que tu, quand on te dit de le suivre, on va te mettre dedans avec lui? Ah, si tu fais grand écart, c'est que tu as beau aimer une personne, tu es parti. Mais quand arrive la mort, il faut se retirer, c'est ça? Laisse-le partir. Oui, quoi qu'en soit l'amour que tu vas avoir pour la personne. Donc ça veut dire que dans la vie là, toute manière que tu peux faire pour aimer quelqu'un là, il faut faire tout ici. Voilà. Exactement. Voilà. À la 98, vous démarrez. Avec, aujourd'hui, vous avez 9 albums en votre, avec, déjà. Votre livre, avec plusieurs déjà. Distinctions. Mmh. Oui, c'est vrai, déjà. Cependant, comment s'est fait l'éducation musicale? Pardon? Comment s'est fait l'apprentissage à la musique? Comment vous avez appris à chanter? Ok, bon, ça a d'abord commencé. J'ai fait la chorale. Hein. Mm-hmm. Je n'ai pas eu la chance de faire des écoles de musique. Mais j'ai eu mes formations de base dans la chorale. Ça dit le solfège. Mm-hmm. C'est pourquoi, en me voyant chanter comme ça, là, je respecte beaucoup les règles de la musique. Parce que la musique a des règles. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas chanter comme ça, comme ça. Voilà. Donc après la chorale, j'ai fait les orchestres, beaucoup d'orchestres. Sur le plan national. Là. Alors il y a 2 ans de cela, vous avez échappé à la mort entre griffes. Oui, c'était un terrible accident et bon, Dieu m'a sauvé dans tout ça. Dieu merci. Je suis vivant aujourd'hui. Et grâce à mes fans qui ont beaucoup prié pour moi, sinon ce n'était pas facile. Mm-hmm. Ce n'était pas facile du tout. Et vous ne cessez jamais de défrayer la chronique parce que vous êtes après votre featuring avec la belle diva Zoulé. Voilà, Zoulé. C'est faux. Zoulé de là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quoi ça? Il y a la miel. Non, pas médicament. On dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous sortiez ensemble. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a un mixage en fait. Il y a eu. Ce qui a fait la collaboration avec Zoulé Sangaré. C'est d'abord notre producteur. D'accord. C'est le même producteur qui nous a produit. Mmh. Voilà. D'abord, Zoulé est ma doyenne, pas celle-là. Et celle qui a été produite d'abord par le producteur, les éditions Vénus. Et puis, bon, il a essayé de nous mettre ensemble pour collaborer. Tu vois, c'est à partir de là qu'on a pris le goût. Et on chante ensemble, on répète ensemble, on fait tout ensemble. Bon. Pas tout, hein, pas tout. Non, pas tout. Je dis tout, là. Doyen, finalement, entre Zoulé et vous, il n'y a rien eu ou pas? Il n'y a rien de sentimental. Il n'y a rien de sentimental. C'est le travail. Parce que Zoulé dit qu'elle aime chanter avec des chanteurs, pas avec des bavards. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Elle aime quand je chante. Okay. Zoulé aussi, voilà, que Zoulé chante bien avec une belle voix. Exactement. Donc notre collaboration a plu beaucoup de Béninois et c'est comme ça. Sinon, aujourd'hui, situation matrimoniale, vous avez des enfants, vous êtes mariés? Bien sûr, j'ai des enfants, j'ai ma femme. Mm-hmm. Je ne suis pas marié légalement, hein, mais je suis en couple de mariage. D'accord. Alors, depuis le moment, vous avez quitté un peu l'urbain pour la tradition. Oui. Vous êtes plus aujourd'hui un chanteur traditionnel de consorts. Plus, bien et sûr. Vos petits frères, vos fils même d'ailleurs, béninois, vous reprochent le fait que vous, pas ouvert, vous n'avez pas les opportunités. Et je prends le cas de Nicanor, je prends le cas de Cécimien, je prends le cas de... Ils sont nombreux en tout cas. De Blaze, il y en a plusieurs qui disent que non. De Petit Miguelito qui disent qu'au fait, le doyen... Il a eu son succès, il ne nous fait pas profiter, il n'y a pas de petit futuring. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce que nous on a appris. Hein. Non, jamais. C'est pas du tout vrai. Mm-hmm. Parce que tous les noms que tu viens d'appeler là, je suis comme ça avec eux. Mm-hmm. Comme ça. Que ce soit Petit Miguelito, Zénab, Cécimès, on est toujours ensemble. C'est que le moment n'est pas encore arrivé pour travailler. Mais par contre, j'ai déjà fait avec Kemi. Vous connaissez Kemi, oui, non? Oui, bien sûr. Kemi, on a fait au moins 2 feats ensemble, comme ça, qui cartonnent très fort. Voilà. Et qui encore? Nicanor, c'est mon petit. Mm-hmm. Nicanor, il peut pas parler comme ça. On est ensemble. Ce n'est pas encore arrivé parce que, bon, c'est, si me dit qu'on doit travailler ensemble, je ne peux pas refuser. Pourquoi?
D'accord. C'est un petit qui travaille bien, qui fonce bien aussi. Super. Donc, Blaze, j'ai déjà fait un feat avec Blaze. Okay. Yeah. Bon, seulement, on n'a pas tourné le clip, on n'a rien fait encore. D'accord. Alors, aujourd'hui, notre thème du jour, c'est légende vivante. Sur ce, on a préparé un questionnaire pour les deux légendes vivantes que vous êtes sur le plateau. C'est vous conseil, vous deux. On a bien envie en quelques phrases. Hein, en quelques phrases. Le questionnaire s'appelle « Je suis une légende vivante ». Alors, on veut savoir en quelques mots, comment vous êtes devenue légende vivante. On va commencer par le doyen Zico. Bon, quand vous dites légende, même déjà, je suis étonné que vous le dites. Il faut laisser humilité là, ça ne paye plus. Non, mais parce que c'est bon. Légende, ça, c'est pas que des fleurs qu'on vous jette, c'est, ouais, c'est une réalité. Bon, merci. Merci, c'est pour vous dire que bon, et c'est par rapport à notre œuvre. C'est ce qu'on a fait depuis qu'on est tout jeune. Et bon, on s'est battu quand même pour notre pays, quand même, pour l'équipe nationale. Bon, véhiculer le nom aussi du Burkina autour du monde entier. Bon, je pense que ce n'est pas rien quand même. Hein. Donc, si aujourd'hui on est, vous citez le bon légende, bon, ouais, tant mieux. Bon, je ne le prends pas comme il le faut. Pico, comment est devenu une légende vivante aujourd'hui? Bon, je vais dire, c'est... D'abord, c'est un don de Dieu. Hein. C'est un don. Et puis, quand tu as un don aussi, il faut travailler. Je pense que j'ai travaillé. J'ai bossé dur. Voilà, pour en arriver là. Vous voyez? Et que, bon, à l'époque, à notre temps, à notre, je ne parle pas de maintenant. Ce qui est sûr, on est encore là, sur le terrain. Il n'y avait pas trop de talent comme ça. Je parle au niveau national d'abord. Oui. On était très talentueux en ce moment et ça m'a encouragé à foncer. D'accord. Et voilà. Quel est le plus gros sacrifice que vous avez eu à faire pour devenir une légende vivante? D'abord, la famille. Hein. Laisser la famille puis aller se chercher, c'est dur. Voilà, hein. C'est pas facile. Hein. Des années, moi j'ai passé tout mon temps que dans les hôtels. Et tous les week-ends dans les avions, les voyages. On veut faire vivre la vie. Mais si vous me demandez aujourd'hui, même, ma femme va vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer même dans voyage, là, ou bien dans avion pour partir. Vous dégoûte? Non, je suis dégoûté, quoi, parce que quand on me parle de ça, même, je trouve autre chose. D'accord. Je voyage plus, je ne sais pas pourquoi. Rico, et vous, quel est le plus gros sacrifice que vous avez eu à faire, voilà, de votre carrière, pour la réussite de votre carrière? Bon, c'est que... Bon, moi je peux dire, mes premiers sous que moi j'ai eu dans ma vie, hein, dans ma vie, c'est-à-dire jusqu'à un niveau là. Ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai gagné là, je remets tout dans la musique. Wow. Vous investissez. J'investis dans la musique. Mm-hmm. Parce que là, je suis un chef d'orchestre, moi je suis un chef de... Vous avez une structure de production maintenant. Une structure de production, oui. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps... à réaliser tout ça là. Mm-hmm. Je pouvais prendre de l'argent pour aller me construire des maisons, tu vois. Mais j'ai risqué, quoi. C'est vraiment un risque. Un sacrifice que je me suis fait. Donc c'était vraiment un risque. D'accord. Alors, oui, cette question, je veux juste un oui ou un non. Est-ce que pour être une légende vivante aujourd'hui, vous avez eu affaire, comme on le dit ici, hein, au Burkina Faso, le WAC. Le Djoudjou. Et au Bénin, on dit le Djoudjou. Est-ce que vous avez eu à signer des pactes est-ce que vous avez eu déjà à faire le médicament et à consulter les petits féticheurs et consorts pour être une légende vivante? On dit les footballeurs, il faut laver les pieds souvent. on dit pour l'artiste, il faut partir racler la gauche. Oui, il faut aller voir même le vaudou. Il faut voir le vaudou et consorts. Sinon, le jour du concert, tu chantes et on entend rien. On entend rien. Zico. Moi non. Non, jamais. Non. Mm-hmm. Je sais pas. Levez Rico. On dit à les gens, ils ont levé les aiguilles dans leurs genoux. Bon, ok Rico, allez-y. Bon, moi je pense que ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Quand tu as un talent, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as un talent, peut-être que tu vois, ça ne manque pas les envoûtements et qu'on sort. Peut-être que si tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux aller te protéger. Peut-être pour ça. Sinon, si c'est pour évoluer là, si tu as un talent là,
Je pense qu'il faut rester tel que tu es, travailler ce qui est pour toi là. Parce que de tout ce que vous dites là, ça ne dure pas. D'accord. Ah, c'est le plus grand wack en fait. Oui, mais c'est quoi? Les talents. C'est le plus grand sacrifice, c'est le plus grand wack en fait. Oui, quand tu t'en vas faire des choses, ça ne dure pas. D'accord. Ça ne dure pas. Okay. Chez moi, c'est le travail. C'est le travail. Oui. Déjà, vous êtes de quelle confession religieuse? Je suis musulman. Musulman. Oui. Rico? Catholique. Catholique. D'accord, nous sommes au thème de notre entretien. Le thème du jour était légende vivante. On espère que on vous a fait vibrer. On vous donne aussi l'envie de devenir de légende vivante. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous les légendes vivantes que vous êtes. Merci à vous. C'est un réel plaisir, merci. En tout cas, de partager merci. Votre vie. Merci. Et on ne peut quand même quitter ce plateau sans... Hein, les notes du rossignol, quand même. On allait vouloir, si on avait un ballon, on allait donner au grand Rico pour qu'il jongle. Mais comme on n'en a pas, on va terminer avec le grand Zico. Mais avant, les gars, oui. C'est qui se passe au Mac 12? Ne reste pas au Mac 12. Ça, c'est bon. Non, hein. Biche. À demain, famille. Zico. Oh. Zico. 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 Non, mais je suis venu pour les femmes. Oui, d'accord. Africa Monceau. Oui, d'accord. Donne une petite chanson pour les femmes. L'homme qui va souffrir, l'homme qui va souffrir. Oh, sa femme, il n'aura pas sa place au paradis, il aura sa place à l'enfer, il aura sa place à l'enfer. Femme, 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 oh, faut pas faire souffrir, femme, oh, nous devons les chouchouter, oh, et nous devons les donner l'amour. Chérie Coco, faut pas fâcher, la vie c'est comme ça, chérie, beaucoup de patience, oh. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain, famille.